Hein? Tu fais quoi? Je te pose la question, tu fais quoi? Ça ne se voit pas ce que je suis en train de faire. Tu vois pas ce qui est écrit là? Ce qui est écrit là, comment? Ils ont écrit défense de déposer les ordures. Je ne sais pas si on lit le même français, mais je vous rappelle que là on parle des ordures. Ordures. Et moi je suis juste en train de faire pipi. C'est vous qui ramenez les mauvais comportements d'Afrique, vous ramenez ça ici en Europe. C'est à cause de vous que l'image de l'Afrique se salit. Hein? Vous venez pisser n'importe où, il n'y a pas de toilettes publiques, c'est quoi ça? Je ne sais pas si tu es au courant, mais tu es aussi noir comme moi, tous les deux nous mais sommes africains. Mais je n'ai pas dit le contraire, mais je ne fasse pas la même chose que toi. Je ne fais pas la même chose que toi. C'est quoi ce comportement? C'est quoi ce comportement? Comment il y a la broussaille, je veux me mettre à l'aise, je veux faire pipi. Et le respect de la nature, ça ne te dit rien? Le respect de la nature, ça veut dire quoi? Le respect de la nature, ça veut dire quoi? C'est juste un pipi. C'est juste un pipi? Il n'y a pas de toilettes, tu as regardé, il n'y a pas de toilettes. Tu n'avais qu'à le faire à la maison, je ne sais pas, tu sors d'où. Si tu étais à la maison, il fallait le faire à la maison. Ou tu attends là où tu vas trouver les toilettes publiques. Est-ce que vous savez quand même que vous, les nègres de maison là, vous commencez vraiment à nous énerver, ça dit que ça commence vraiment à nous faire chier. Vous, les nègres de maison là. Quel nègre de maison? Oui, vous, les nègres de maison là. Nègre vous, les nègres de maison, vous qui vous prenez pour des blancs là, vous parlez en cassant le timbre, vous réfléchissez comme des blancs, vous les Stella Kamga, les Tanguy là, vous commencez à nous faire chier. On en a marre de vous. Bientôt, on va vous chasser même de la communauté. C'est quoi? Vous êtes africain, monsieur. Mais j'ai pas dit, même si on était en Afrique, j'allais te dire la même chose. C'est pas normal, ce que tu fais pisser dans la rue, c'est pas bien. C'est quoi ça? Quoi pisser dans la rue, c'est pas bien? Les animaux arrivent à faire caca là, mais moi je peux pas pisser, pourquoi? Mais alors, mais les animaux, tu réfléchis pas comme un animal, monsieur. Un peu de respect. Un peu de respect, ça veut dire quoi? Quelle est la loi qui m'interdit de pisser? C'est écrit là, c'est écrit. Je sais pas si on lit, mais on parle là des ordures. Et lorsqu'on parle d'ordures, bon, il s'agit... C'est bon, je t'ai dit, arrête de faire ce que tu fais. Arrête de faire, tu sors d'où même? Moi, je suis Camerounais et fier de l'être. Ça ne m'étonne pas, c'est toujours les Camerounais qui ont le comportement comme ça. Oh, je t'ai interdit de mal parler de mon pays. Je t'ai interdit de mal parler du Cameroun. C'est quand même un pays fier. Fier de quoi? On a Samuel Eto'o, on a Roger Milla. On a donné à la France Kylian Mbappé. Samuel Eto'o qui triche là, Kylian Mbappé, il est français. Samuel Eto'o peut tricher? Match contre l'Algérie, il a triché. Hein? Alors, qui? Le Cameroun n'a pas besoin de tricher contre l'Algérie parce que vous êtes faible. On a toujours remporté tout le monde. Kylian Mbappé est français. Il est Camerounais. C'est la France que c'est le Cameroun qui l'a donné à la France. Champion dans la tricherie. Vous savez, c'est tricher, casser, couper l'âge. Bassogog, hein? 24 ans, son fils a fêté, sa fille a fêté, ça va 19 ans. Il a déjà une calvitie. Et même avec ce vieil âge-là, il arrive à avoir les performances que vous, les jeunes-là, les jeunes des autres pays, vous n'avez pas. Vous parlez de quoi? Hein? Et il a été élu meilleur joueur de la CAN 2017 malgré son âge. Même vos stars. Vous avez refusé la beauté. Quelqu'un comme Cabrel Nandjim avec son gros ventre, sa grosse tête. Hey, je t'interdis de mal parler de mon ami Cabrel Nandjim. Hein. Vous, vos stars dans les autres pays, là, par exemple, vous les Congolais, là, vous passez le temps à vous décaper, à enlever la peau. Ulrich Takam. Tu as vu sa tête? Tu as vu sa tête, Ulrich Takam? Je vais pisser, mon ami. Je vais pisser là où je veux. C'est la honte qui te fait ça. C'est pas la honte. Tu veux pisser dans la rue. Si je veux, je pisse. C'est juste par respect pour la nature. Comment des gens comme ça? Pour la nature. Là, comment il est là-bas? Je vais pisser ici devant, tu vas voir.